on reproche pas, mais non, c'est vrai que... Ah, il y a des commerces de masques et de gel, hein. Il y en a qui... Ah bah oui, hein. Ça y va, hein. Ah bah mais non, par contre, si vous étiez allé lundi après-midi, sans déconfinement, au partage des eaux, vous ne pouviez pas vous garer nulle part. Les gens, ils étaient agglutinés les uns sur les autres. On me sera sûr, le soir, c'est pareil, hein. Et on m'a dit, le soir, on m'a dit, c'est impressionnant. Je suis allé hier après-midi, tous les gamins, ils étaient dans la floque, les uns à côté des autres. Parce que, enfin bref, je veux dire, vraiment, c'était... Ça a toujours existé à lui. Hein. Ah ouais, le froid, ouais. Ça et au bassin. Le bassin. Le bassin. Le pont vert. Quand il sortait du rugby là, tout ça. Ouais. Parce que moi, les deux, ça m'a mis. Le pont vert du partage des eaux. Ils sont plus les gens. Ils ont mis la route d'art. Parce que moi, les deux, ça m'a mis de m'y baigner. Mais par contre, je fais que me tromper et je sors. Là, il y a des milliers d'interviews. Oui, j'y reste. Alors tous les gens s'arrêtent pour les voir. Et alors, pour vous dire un peu. Mon chien est du même genre. Il vient faire le pilote. T'as pas vu les vidéos des chiens qui font la gym avec leurs maîtres? Oui, ça. Je veux pas grossir. Non, c'est pas gros. Parce que les gamins, non, les parents, ils t'as des boulettes aux oreilles, toi. Il y a des femmes d'âme. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, je serais mieux au collège où je sais que... T'en as pas, regarde. T'es maître, t'as envie de rester avec vous. C'est pas grave. Ça gêne pas, hein. C'est pas esprit. C'est ça. Il a pas son gel. Ah, il s'est paradis des chiens. Il n'avait pas lu le gel, le chien. Ouais, c'est vrai. C'est pas lavé les pattes. Suzelle, tu arrives à suivre le rythme? Je vais y aller essayer. Surtout que là, j'ai eu 15 jours intensifs. Hein. Non, non, c'est pas par rapport au boulot, c'est parce que j'ai acheté un appartement à Velleron. Et alors, avec le confinement, bah, du coup, j'ai pu signer l'acte définitif que le 14 mai. Ah oui. Et je devais déménager le 30 et il y avait un peu des travaux quand même. Ah ouais. Donc ça a été les gens qui ont des galères. Hein. Oui, puis bon, pareil. Plus de peinture, plus de... Enfin bon, ça va, ça c'est bien... Pas très folle, ce que tu te dis, c'est tout. Ouais. Moi, je voulais refaire mes tables, la vernir et tout, et plus de rustol. Salut. Bonjour. Mais les gens, ils ont bricolé, ils se sont occupés. Hein. Ah, bricolé, jardiner à fond. C'est pareil, chercher des chefs des plants de tomates. De mais toi, tu veux, je suis là, donc il y a soleil ou pas soleil, comme tu veux. Et puis, on peut élargir un peu le cercle. Le rond. Le rond. Corinne, va se mettre à l'ombre. Bon, du coup, c'est bon, c'est avancé ton... Oui, ah ben, ça y est, bon, c'est le bazar. C'est le bazar, oui. Tu vas bien? Il y a des cartons partout. Oui, non, non, c'est plein de cartons, plein de... Voilà, mais c'est très bien. Oh, Coco. Salut. Coucou. Ça va bien? Oui. Ombre ou soleil? Non, mais on peut s'écarter, hein. Non, mais on peut élargir et... Non, on a été... Tu es là, hein? Je suis là. Là, parce que le soleil, il faut que j'aie un torticolis là. Hein. Non, là. Je vais te mettre là plutôt. On élargit un peu. Et ouais, mais tu vas être. Tu vas me voir de dos presque. Ça va Valérie? Ça va, merci. Dernier cours? Dépassé? Ouais. Pas eu de. Non? Courbature. Moi j'ai le courbature, j'ai repris. On va pouvoir porter. On va pouvoir forcer. J'ai pas eu l'impression de forcer. Hein, mais... Je sens les abdos, je sens les bras. Bon, attends, je vais me mettre par là alors. Je bouge. Hop. Je bouge la caméra. Hop. Qui on a? Ah, on a Bribri avec nous. Salut Bribri et Véronique. Ton équipement à la maison aussi pendant le confinement? Ouais, c'était autrement, mais ouais, ouais. Là, c'est comme un appui. Ben bravo, en tous les cas. Oh, bah écoute, tant qu'on avait internet, on était sauvés, c'est bon. C'était marrant, hein? Ouais. Celle dans son salon. En train de boire l'apéro, c'était marrant. Ah oui, ah bah, bravo. Ah, bah ça, oh.
Tu l'as pas fait toi peut-être? Non. Non, je ne bois pas seule. Ah non, c'est vrai. Mais tu me crois pas, mais c'est vrai, je c'est ne vrai. Bois jamais seule. Ah. C'est pour ça que j'habite toujours du monde. Non, non, c'est vrai, je ne bois jamais seule. Je... Mais nous, on buvait l'apéro. Ça va alors. Et ah oui, non, salut Sophie. Les copains, vous faire Ambre au soleil. Ah, comme. Même avec les Australiens en plus. Ah, ben là, avec le décalage. Soleil, tu gagnes un peu de bronzage, ombre, capitale, capitale peau, c'est bon ah. 2, 4, 6, 8, 9, le compte est bon. C'est bien, au moins on sait si tout le monde est là ou pas. Bon, mais bienvenue à ce cours de Pilates. Plaît-il? Toujours neuf, ça n'a pas changé. Dedans, c'est juste qu'on peut rentrer, mais c'est toujours neuf. On y est, 21 juin, on saura un peu plus voilà. Si on peut augmenter ou pas. Jusqu'au 21, c'est 9. 21 ou 22, je sais plus. Bon, mais nickel, c'est bien. Bon, savourez ce cours, parce qu'il y avait liste d'attente aujourd'hui. Hein, vu que c'était le seul du matin, ça a été compliqué cette semaine. Et bon, il y en a qui sont du coup en live, je vois. Oh, Catherine! Bon, donc nous sommes filmés. Hein. Donc attention à ce que vous dites, Nicole, tout ce que tu diras pour être tenu contre toi. Okay. Bon, ils ont l'habitude, mais attention à vous. Dans ce petit pilate un peu dorso-taille, hein, on va travailler dorso-taille un peu plus que d'habitude. Si c'est trop dur, vous criez. Si c'est pas assez dur, vous me le dites, hein, faut pas vous gêner. Hein. On y va, Hélène? C'est pas mieux qu'Apeu. Ah voilà. Wesh wesh. Bon allez, mettez-vous à l'aise, donc chaussures ou pieds nus ou chaussettes, comme vous voulez. L'herbe apparemment est un peu mouillée. Il n'y a pas de moustique. Ah, c'était le seul alors. Hein. Il était encore à l'heure d'hiver, c'est pas possible. Allez, on y va, on plie, on secoue un peu les jambes. Voilà, Coco, je compte sur toi aujourd'hui. Je compte sur toi. Hop, on déroule les chevilles. Voilà, tranquille. Retour de Suzelle aujourd'hui. I'm back. Yeah. Tu payes l'apéro du coup? Allez, t'es pas toute seule. J'ai pas pris la glacière. C'est pas ça, elle prend pas tout. Non, mais on revient à midi, c'est pas grave. Allez, le bassin tourne. Bernadette. Bernadette, elle veut faire la fête. Ben non plus, elle boit pas seule. Allez, dans l'autre sens. Pas de musique, hein, c'est bon, il y a les oiseaux qui s'en chargent. C'est bien, ouais. Nous levons un pied, puis nous tournons notre pied pour nous chauffer un peu les chevilles. Ça peut servir. Dans un sens et dans l'autre. Dis donc, Cécile, t'es souple des chevilles, toi. Ouais. Ah, on dirait. Hein. Allez, on change. Et c'est celle où je me suis fait une entorse deux fois. Ah oui, du coup, peut-être pas si bon que ça. Dans l'autre sens. Voilà, on a fait le plus dur. On revient les pieds parallèles et on respire. Inspire et levez, souffle et baisse. Tranquille Émile, relâchez des épaules. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas relâché, Coco? Olé, le périnée. C'est tout? Et c'est pas parce qu'on est dehors qu'il faut pas serrer les sphincters, les filles. Et ça c'est filmé. Ça c'est filmé. Oups. Ouais, mais Facebook après il me. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Il me censure à fond. Ils adorent ça, censurer. Allez, encore une. Et nous resterons les bras devant. Hop. Épaules basses. On est parti. Inspirez, ouvrez. Soufflez, fermez. Donc on commence un peu plus à s'activer niveau centre du corps, niveau périnée, niveau tout ce
qu'on peut activer niveau centre du corps, ça vous connaissez. La respiration se fait plutôt par les côtes. En latéral, on essaie d'inspirer doucement, hein, Suzelle, doucement. Restez les bras sur le côté. Poussez, poignet cassé. C'est tout, pour l'instant c'est tout. Voilà. Et pas mieux. Les jambes sont souples, le bassin est lâché pour qu'on ait cette sensation que le bas du dos se tracte. Vous pouvez dès à présent basculer le bassin, rentrer, sortir fessier. Trouvez de la mobilité dans votre bassin. Hein? Celles qui sont pas sages. J'ai le coach. Encore deux. Hop, on relâche. On souffle, on enroule. Que la tête et le haut du corps, hein. Vous amenez les mains juste au-dessus des genoux en soufflant. Et vous redressez, vous inspirez. On retrouve notre grandeur, notre splendeur. Et on souffle, on enroule. On descend de plus en plus bas. C'est progressif. Essoufflez, enroulez, colonne vertébrale, du haut vers le bas, tête la première, épaule ensuite. S'il y a pincement, vous me dites. S'il y a douleur, vous me dites. Si vous dégainez, ne me le dites pas. Pas ça. Voilà, plus que deux, Hélène. Magnifique, Hélène. Super, Hélène. Waouh, Hélène. Et vous resterez. Quand vous serez debout, inspirez, levez. Et puis restez, voilà, épaules basses. On y va? On repart sur de l'équilibre. Tends une jambe devant en soufflant, hop, on revient. Tends l'autre jambe en soufflant, hop, on revient. Pour l'instant, on fait une jambe après l'autre. Hein. Pardon. Ah, c'est l'air de la campagne, moi ça me stimule ça. Saint-Jean, tu sais qui c'était Saint-Jean? Le saint de... Ben moi non plus. Patron des moustiques peut-être. Encore deux. Patron du curé? Eh, hey, c'était Joseph. Et vous pourrez rester vos deux pieds au sol. Hop, soufflez, baissez les bras et en même temps penchez le buste en avant, le dos plat. Et redressez, inspirez, tirez les bras en haut. Soufflez, baissez. S'il y a un souci, vous pliez un peu plus vos jambes. S'il y a un souci, vous baissez plus vos bras quand vous vous penchez. Le port des bras, ça pèse, c'est lourd. Attention Coco, j'ai cru voir un dos rond, j'ai cru. Peut-être pas. Mais sortez bien les fessiers, vaut mieux trop les sortir que pas assez. Ne vous inquiétez pas, personne ne regarde. Ah, encore deux. Très bien, olé. Il y a concours de leggings aujourd'hui. Hein? Fin des lunes. Alors là, on va rester bras le long du corps. Ah si, si, il y a concours. Les palmiers, les frises, c'est beau. Hein? On a dit qu'on travaillait un peu le dos. On y va. Le soldat, alors vous penchez moins si c'est trop dur, mais vous restez gainé, vous alternez. Je monte un bras, puis l'autre, un bras, puis l'autre. J'essaie de souffler calmement et de me dire, tiens, quand j'inspire, j'élargis mes côtes. Quand je souffle, ben normalement, vu que j'ai gainé, j'ai besoin de rien faire. Donc, restez concentré sur votre gainage, le fait de rentrer le nombril. Il nous en reste encore plus que deux. Il nous en reste encore plus qu'un. Et vous pouvez poser main sur cuisse et alterner dos rond, dos plat. N'oubliez pas, si vous avez mal au dos, vous me le dites, hein. Sur le souffle, on arrondit. Sur l'inspire, on aplatit. Allez, hein, plus que deux. Et vous pouvez redresser. Oh oui. On gagne. Équilibre ou pas équilibre? Pas équilibre. Allez, équilibre donc. Là, on est, hein.
L'herbe, c'est dur, mais c'est bien au travail à la proprioception. Dur, je veux dire, c'est pas moins stable. Oui, oui. Alors, où on fait ça, où on est en ouverture de hanche, je ne tourne pas mon bassin, hein. Où je suis en ouverture de hanche, ici, j'ai ma pointe au sol, où par Saint-Jean, patron de l'équilibre, j'arrive à poser ma cheville sur cuisse. Main derrière la tête, Bri-Bri chez elle va apprécier. On va pousser la tête vers l'arrière et contracter tout l'arrière du corps. Là, je pousse la tête dans les mains, dans les doigts ou dans les paumes de main, et je résiste avec mes mains. Mais en aucun cas, never, never ever, on monte jamais les épaules. Jamais, Bernadette. Si tu les montes, Saint-Jean, patron des épaules, va pas être content. On a fait trouver les bras, ça. Encore 4. Encore 3. Eh ouais, encore 2. Ils ont fait demi-tour. On relâche. On ne change pas de côté parce qu'on est ici. Penché en avant. On lève les bras plus haut si on peut, plus bas si on ne peut pas. Mais il ne faut pas qu'on ait la douleur qui fait mal. Il faut qu'on ait la douleur qui fait travailler. Et on va bloquer avec ces bras-là. Et on va rester les bras en haut. Ventre serré, épaules abaissées. Et bien pensez à son périnée, par Saint-Jean, patron du périnée et des gynécos. Vraiment, pensez-y, aspirez ce nombril. Sentez l'envie de faire pipi qui est en vous et qui est retenu. Intensité 5-6 sur 10. Très bien, Cécile, un bon point pour Cécile. Nicole aussi, un bon point. Sortez bien fessiers, encore 3. Encore 2, encore 1. Nous redressons. Ici, nous changeons de jambe. Donc, ou je reste au sol et j'ouvre, ou je viens de l'autre côté. On avait les mains derrière la tête, on avait les coudes ouverts, on avait les épaules abaissées. Les épaules abaissées. Et c'est parti, la tête pousse en arrière en même temps qu'on travaille notre équilibre. Gros orteil, petit orteil, talon ancré dans le sol. Tous les moindres petits mouvements sont rééquilibrés, stabilisés. Parfait, 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 c'est très bien, le gainage est là, et quand le gainage est là, tout va. Encore 3, yaya, Suzelle a fait l'apéro hier, encore 2, encore 1, t'étais tout à l'heure. Ah merde, c'est l'apéro au boulot. On relâche, hop, rebelote Charlotte. On était penché les bras levés tout à l'heure, et bien là on est penché les bras levés, mais poussez plus le poids en arrière. Comme si on vous tirait par les hanches et vous êtes vraiment presque en déséquilibre, le gros du poids de corps est sur les talons. Voilà, les orteils, l'avant des pieds est très allégé. Voilà. Vous respirez toujours, le ventre bien serré, c'est nickel. C'est nickel, franchement, c'est tout doux bien. Tu peux lever les bras, tu crois, Nicole? Oh, tout Nicole, elle a levé les bras. Encore 4. Nouvelle coupe, Nicole, hein? Oui. Encore 3. T'as réussi à aller chez le coiffeur. Encore 2. Encore 1. On relâche. Déconfinement. Oh. Par Saint-Jean, patron des coiffeurs. Vous pouvez relâcher. Et relâcher. C'est bien. C'est pas assez. Nous sommes derrière le tapis. Voilà. Ouais, bois un coup, hein. Il y a du monde avec toi, tu peux boire. Bon, apparemment, c'est l'heure de boire. Voilà. On est donc à l'arrière du tapis, on va enchaîner quelques mouvements, j'ai dit, pour le dos. Hein. Après, c'est la taille. Hein. Tu me rappelleras si on oublie de faire la taille, les cocos. On serre bien, on gaine tout ce qu'on peut gainer. On aspire le périnée. Là, on sent que ça y est, on active. On n'a plus qu'à plier un peu les jambes. Nous allons, en soufflant, squatter. Donc sortir fessier, nous asseoir en arrière sans que les genoux avancent. Hop, on inspire, on étire. Facile, Émile. T'avais pas les talons qui décollent, Sophie? Elle cache ses pieds derrière le tapis. Non, mais attendez. Mettez la largeur que vous voulez. Si vous voulez élargir plus, vous pouvez.
cherchent quelqu'un. Encore deux. Plus vous allez bas, plus vous travaillez votre mobilité des hanches qui est naturelle. Les compères, après, ils font la paire. On va rester en bas. Ah. Et poser les mains par terre, normalement, on arrive à aller jusqu'au sol quand même. Hein. Et on avance. On avance. On est en gainage. Ici. Bonjour. Allez, les mains sous les épaules, le ventre bien rentré. Ça va? Oui, et vous? Ça va, ouais. Vous comprenez? Oui. Il me semble. Ça fait un petit moment, mais ouais. C'est ça. vous avez, tous les jours, vous avez cours ou pas, du coup? Le matin, oui. Ici, d'accord. Bon, si ça gêne, après on peut... C'est juste le mercredi, comme j'ai les petits. Ah. Et que sur nous, on fait que de 9 à 10. Et le mercredi, pardon, c'est exceptionnel, parce que là, il est lundi de Pentecôte. Bon, ça va, super. Mais si ça gêne, on... Après, comme il y en a le protocole à respecter, on a un groupe qui joue ici, dehors, à l'ombre. Et comme il n'y a pas beaucoup d'ombre, c'est ça. Mais là, ils vont se mettre là-bas, ils ne feront pas beaucoup aujourd'hui. Ben, nous, à 10h, on n'est plus là, ouais, au pire. Bon, mais... Sans problème, alors. Ça va, le gainage? Allez, non, mais on peut rester encore. Ah, non, mais c'est moi, ça me va. Ça fait travailler, ça fait travailler. Le record du monde, c'est 10h10, donc ça me va. Ouais, après, le reste des autres jours, ça gêne pas. Le mercredi, on n'est pas là, c'est vraiment effectivement cette semaine. Là, ils vont venir, ils se mettront dehors sur le côté. Mais... Bon, mais après, si ça gêne, je les fais courir un peu, au pire. Allez, on va poser les genoux, les filles. Allez, bonne séance. Bon, ça marche, merci. Et ici, on va poser les coudes, parce que bon, hein. On vient lui parler, comme ça, il vous refait gagner. Voilà. Oh, tout le monde y arrive. Allez, pas le loin des oreilles, on va tendre une jambe. La soulever. Et là, vous vous dites, non, non, il ne faut pas tourner le bassin. Mais vous avez raison, il ne faut pas tourner le bassin. C'est pas bien. Et on monte, on descend la jambe. On ne fait pas des grands mouvements. On veut surtout engager fessier, arrière de cuisse, tout l'arrière du corps. Mais, on n'hypercambre pas. Eh, on ne rajoute pas de la cambrure excessive dans le dos. Voilà, le regard est vers vos mains pour que la nuque soit dans l'axe. Voilà, surtout si vous avez une coiffure fraîche, il ne faut pas l'abîmer. Là, c'est bien Nicole. Encore 4 Nicole, encore 3 super Nicole, encore 2 Nicole. Regarde Nicole, on va rester en haut Nicole. On a levé une jambe, eh bien on va lever le bras opposé. Et où c'est qu'on va le mettre le bras? Eh bien non, pas devant. On le met sur le côté. On le met sur le côté. On le met sur le côté, pas forcément très haut si vous sentez que ça vous fait tourner. Encore 4, encore 3. Allez Sophie, tu nous répéteras la formule de l'équilibre, là, le théorème de l'équilibre. Si j'enlève un appui puis un autre, triangle de sustentation n'est plus le même, a fortiori. Là... Oui, pardon, on relâche. Il y a bien un théorème d'un truc de l'équilibre. Voilà, merci. Donc on ira voir Sophie pour le théorème de l'équilibre. Bon, pour l'instant, on a 4 appuis, donc 4 appuis, ça va, c'est assez stable. Il paraît que c'est le triangle la forme la plus solide. Il paraît. Ah ouais. Bon, bref. On tend l'autre jambe. Ping. Qu'on soulève. Oui. On prend conscience de la position de son bassin. On prend conscience qu'on pousse la tête en avant et qu'on s'auto-grandit. Ça monte et ça descend pour la jambe. Pour l'instant, les deux bras sont au sol. Voilà. Oh, il y a Estelle aussi qui fait le cours. Bonjour. Moi, il y a Roselyne qui fait le cours. Bon, elles s'en foutent, elles font le truc. Encore 4. Encore 3. C'est bien, Valérie. Encore 2. Encore 1. On reste en haut. Et Kéfazin. On lève le bras opposé qu'on envoie sur le côté. Ouf. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. C'est plus dur que de l'envoyer devant. Hein. Allez Cécile, c'est bien. Tous ces petits mouvements, ça veut dire que vous travaillez. Encore 4. Super Valérie, c'est stable. Encore 3. Super. Allez Bernadette, c'est chouette. Encore 1. Et c'est déjà fini. Vous pouvez donc avec joie et allégresse pousser avec vos mains et faire... Le chien tête en bas. Nous avons 4 appuis au sol. Jusqu'ici, ça va. Théorème de l'équilibre. Qui dit que quand on lève un appui, c'est chiant. Donc on va... Mais ça bosse.
On va lever une jambe et on va la tendre et la lever au ciel. Voilà. Le pied pointé, la jambe tendue. On lève, on lève, on lève, on lève le plus haut possible. À ce petit jeu, Cécile se régale. Pour elle, c'est facile. Si vous voulez tourner votre bassin, vous pouvez. I repeat. If you want to turn your pelvis, you can. Se bisogna de tornare el bacino, è possibile. Ancora. Ai, ai, ai. Ancora. Ai, ai, ai. Ancora. Oh, Bernadette, tu as relâché. Oh, reviens. Vous voulez changer de côté? Non. Trois pompettes. Main largeur d'épaule. Ben, dis donc, ça enchaîne. Hein. Coup de serré, inspiré, descendez, remontez, soufflez. À chaque descente, vous venez brouter l'herbe. La poitrine effleure le sol et je remonte, je souffle. Allez, Suzelle, les premières pompes depuis... Voilà. J'avais dit trois. Hein. Quand les trois sont faites, hop, retournez les orteils. Chien tête en bas, à quatre pattes. Puis chien tête en bas, à trois pattes. Donc on lève et on peut tourner le bassin. Yes, you can. Allez dans l'amplitude que votre corps vous permet de faire. Tu me dis, Sophie, hein, s'il y a un souci... T'as mal aux épaules. Au pire, tu peux rapprocher un peu les mains que tu es. Hein. Voilà, pose tes genoux d'abord. Allez, encore 4. Respirez, essayez d'être dans la détente malgré l'exercice dur. Encore 3. Vas-y, Nicole. Encore 2. Super, on est bon là, on est bon coco. Encore une. Non. Et c'est fini, vous pouvez relâcher et faire les 3 pompettes du jour. Quoi, vous adorez pas la pompette? Ah, on descend, on inspire, on remonte, on souffle. C'est pas comme dans le sketch de Foresti qui dit que pompette elle connaît pas, elle est direct déchirée. Il n'y a pas ce stade direct. Et vous pouvez, avec joie et allégresse, vous mettre à plat ventre. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on est bien là! On est bien, hein. Ah ouais. Franchement, hein. Manque plus que le cocktail et le masseur, là, hop, un peu la crème à bronzer, c'est bon. Bref, c'est pas le cas. On rentre bien le ventre. On a les bras en croix, en chandelier sur le côté, position haut les mains. Comme ça, on fait du saut en parachute à Peugeot. Oh. On a les jambes tendues et sous. Levé. En tout cas, on essaie de lever les pieds, voir les genoux, voir les cuisses. On est d'accord qu'on ne prend pas appui fort au niveau du ventre. On a le ventre aspiré. Nous allons lever nos bras à ras du sol, à ras de terre, à ras de l'herbe, à ras du carrelage pour ceux qui sont chez eux. Et c'est parti. Soufflez, tendez un bras devant, puis ramenez, inspirez. Puis soufflez, tendez l'autre et ramenez, inspirez. Sachant qu'on peut partir les mains posées si c'est un peu trop compliqué. If it's complicated, you can pose your hand on the floor et puis voilà. Et souffle, allonge et ramène, inspire. Et si comme Hélène vous êtes à l'aise, vous pouvez allonger les deux bras en même temps. Et là, c'est la fête au village. Et il repasse. Il nous nargue, hein. Allez, encore et toujours. Ça va, Sophie? You're talking to me if you have a difficulty. Tu me dis? Toujours tes épaules? Allez, le dernier pour la route. Vous garderez le buste levé, les jambes levées, vous mettrez les bras le long du corps, paume de main vers le sol. Yes, very good. Et on va pousser les mains dans le sol, push it on the floor. Vous poussez, vous appuyez avec les bras tendus, toniques. Et là, il y a une contraction qui se fait. Alors bien sûr, ne voûtez pas vos épaules. Don't voûting your shoulders. On ramène un peu de l'omoplate un peu rapprochée. Encore 4, et vas-y qu'on appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Encore 3, toujours, 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 toujours. Encore 2. Encore une, vas-y, vas-y, vas-y Hélène, vas-y, push it. Encore une. Et c'est fini, relâche. Nous avons les mains sous le front.
Et là, vous dites, ça serait bien une pause. Ben non. Single leg kick. Celui-là, il paraît tout bête. C'est les talons-fesses alternés. Garde ça en alternant, Valérie. Voilà. Ah, vous partez une jambe au sol, vous ramenez talons-fesses, puis l'autre. Mais ça, c'est facile. Et finalement, on se dit, il n'y a pas grand-chose qui se fait. On va essayer de contracter l'arrière de cuisse pour bien, bien, bien mener le talon vers la fesse. Et pourquoi pas essayer de peut-être soulever le genou ou la cuisse quand vous ramenez talon vers la fesse. Il y a l'étirement du quadriceps, donc la face de la cuisse qui est face au sol. La contraction de toute la chaîne postérieure du corps. Mais, ça ne doit pas pincer le dos. Si ça pince, c'est qu'il ne faut peut-être pas soulever le genou. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, on se dit, c'est peut-être mieux que les pompes. Ça ne sera pas décoller le bassin et encore moins le tourner. Parfait. Encore 3. Oh, Suzelle, t'as mal au genou ? Il ne se plie pas trop, tes genoux. Oh, attends, je vais appeler Saint-Jean, patron des genoux. Encore 2. Encore une. Il va falloir que je regarde qui c'était Saint-Jean quand même, le c'est patron de quelque chose. Quand même. Moi, du coup, ça m'a. Ouais. Et vous pouvez revenir, poser les mains et pousser. Vous avez les mains à l'extérieur de la poitrine et vous poussez, 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 madame, poussez, poussez. Ah. Il est plus là le monsieur ? Bon, gainage quand même. Tout ça parce qu'il voulait passer à la télé, t'as vu, hein? Épaule loin des oreilles, talons qui poussent en arrière, pourquoi? Pour avoir les jambes tendues, tête qui pousse en avant, pourquoi? Pour avoir le dos étiré, auto-grandi. Bien sûr qu'on peut le faire à genoux, on n'est pas des bêtes quand même, hein? On n'est pas à la barbin, hein? On peut quand même se permettre de le faire à genoux. Hein, Suzelle? Le combat. Le numéro 1. C'est vrai que Suzette, c'était la première adhérente de la vie de Smile. À jamais la première. Encore 3, encore 2, encore 1. On relâche, on s'étire parce qu'à mon avis, vous avez peut-être le gosier un peu sec. Ça va être l'heure d'une pause hydrique. Si vous ne buvez pas, ben, c'est dommage. Parfait, allez, va récupérer. Bien travaillé. Voilà, voilà, voilà. Il fait super bon là. Vous n'avez pas froid l'homme ? Non, on est bien. Merci à qui ? Au Covid. Mais on le saura maintenant, c'est vrai qu'ici il y a ce coin qui est sympa quand même. Allez, va. On est reparti. Nous sommes un chevalier servant. Ah, gainage. Un chevalier servant. Le ventre rentré. Toujours cette idée de se grandir, ça c'est obligatoire. Et on va rentrer les fessiers. Jusque-là, on a peut-être un étirement haut de la cuisse arrière. C'est tout à fait normal. Je vous laisse le choix. Ou on a les mains aux oreilles, ou on a les mains aux oreilles. Ou. Gardez pied arrière au sol ou vous le levez. Par contre, ça risque de cramper derrière la cuisse. L'idée, c'est de la travailler, l'arrière de cuisse. D'accord ? Donc, vous levez ou pas le pied arrière. Ça, c'est le bonus, c'est là. Et nous, tâtons. De quel côté ? Les deux. C'est pareil. On souffle, on tourne d'un côté. On revient, on inspire. Et pareil de l'autre côté. Pour l'instant, vous êtes hyper vertical. Verticaleux. Hyper vertical, féminin au pluriel, vertical. Et on essaie de se grandir au maximum, avec ou sans jambes levées, qui provoque un petit déséquilibre. C'est un petit peu le genou dedans, c'est un petit peu le poids, c'est bon, le pousser vers l'extérieur. On a la taille serrée, attention Nicole, ton genou est en train de faire. C'est Dimitriel. Voilà, garde-le au-dessus de ton pied, encore au calme. Comment il va, dit Michel, parce qu'on n'entend plus parler de lui, hein. En ce moment, ça... En ce moment, ça taille, faire gaffe, hein. Et quand vous avez fini, si
Si vous aviez le pied arrière levé, on le repose. Pied arrière crocheté, c'est-à-dire qu'on a la pointe de pied dans le sol. Ou vous mettez les mains là, ou vous mettez les mains là. Bon courage, à partir du bas, on pousse, on souffle. Et où on redescend, on inspire et on repart du bas, on souffle. Ou c'est la galère et vous restez en haut et vous partez du haut pour faire le mouvement de fente. Partir du haut, c'est moins dur. Partir du bas, c'est galère. Et on grandit, on gaine, on aspire le périnée, on en fait encore deux. Très bien Coco, bien Valérie, facile. La dernière. Et vous pourrez malheureusement relâcher, c'est pas fini. Étendre la jambe avant. Et avec un dos plat, comme si on avait un bâton dans le dos, on va se pencher en avant, fesses sorties. Si ça tire derrière les cuisses, c'est bon, c'est gagné. Ça tire un peu là. Alors, se pencher, ça étire, mais surtout sortir fessier. Comme si on voulait accentuer la cambrure, c'est ça qui étire. Walou, pas plus, c'est bon. Nous changeons de côté. Donc pour l'instant, le but c'est d'être stable, ancré sur sa jambe avant, surtout pas rentrer, et grandir gainé. Les mains aux oreilles, et option, ou le pied arrière soulevé, si vous l'avez fait d'un côté, ce serait bien de le faire de l'autre. Et c'est parti, spine twist. Soufflez dans le but d'essorer votre corps, essorer, et revenir inspirer. C'est un mouvement important, on n'a pas des yeux derrière la tête, donc c'est important d'arriver à se tourner loin, en essayant de ne pas tourner le bassin, bien sûr. Si chez vous, vous tournez le bassin, hein, attention. C'est vert. Ah, t'as le petit tout... Ah, ben là, il est plus... C'est dur à pas rentrer ce pied avant, je vois, et il y a des pieds et des pierres dedans. Hein. C'est pas ça. Mais trois jours. Ouais, c'est plus dur sur l'herbe. Tu penches en avant, toi. Tu frôles l'incident diplomatique. Un dernier, et quand c'est fini, c'est pas fini. Vous pourrez donc reposer pied arrière, prendre appui sur cuisse sans non plus trop vous courber, ou alors bras devant. Je vois que Cécile est prête. Le pied arrière est crocheté, 3, 2, 1, fente. Soufflez, poussez, grandissez. Si vous avez mal au genou, vous restez en haut et vous ne descendez pas jusqu'en bas. Si tout va bien, vous descendez jusqu'au sol. Vous prenez le temps de poser et bim, bam, boum, on remonte, on souffle. Je crois qu'on ne fera pas la relaxation. On souffle, on pousse. Et on revient, on inspire. Toujours talon arrière décollé. Attention, Sophie. Sinon, animation, hein. Encore une. Vous pourrez poser, étendre jambe avant, vous pencher, fesses sorties. Le CR, c'est facile, hein. C'est clair. Il squatte tous les jours. Allez, pieds flex, on penche en sortant fessier. Vraiment, on ouvre un peu poitrine. Souvent, on a tendance à voûter le dos, pas chez nous, bien sûr. Mais pensez quand même à ouvrir la poitrine. Vas-y, Nicole. La kiné est bonne, vous pouvez relâcher, récupérer. Dernière pause hydrique du cours si vous voulez, car nous allons nous coucher sur le côté. La taille. Side kick, side passé. Tout ce qui a le mot side, side car, side. Voilà, tout ça, ça, on va le faire. Qu'est-ce qu'il dit? King size. À secours. On a les bras le long du corps, on assoite les jambes dans l'axe du corps, l'équilibre avant-arrière du buste est bien. Si vous avez mal au dos, vous avancez un peu vos jambes, ça soulagera le dos.
bras le long du corps ou main posée devant, devant poitrine. Je vous laisse tendre et soulever vos deux jambes pendant que votre tête est juste en train d'effleurer le bras de dessous. Ça, c'est la position de départ. Hein. Et à partir de là, hein, tu vas souffler, tu vas lever la jambe de dessus, puis lever la jambe de dessous et redescendre les deux en inspirant. Hein. Voilà, pas qu'une fois. Hein. Tu lèves une jambe, l'autre jambe aussi quand tu souffles et tu redescends, t'inspires. On monte en décalé. Une, puis l'autre, mais on descend, les deux pieds se touchent, ils sont ensemble, together. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Cécile? Dis-moi tout. Mais, ah, alors, avance un peu tes jambes et roule un peu en arrière, tant pis. Tant pis, c'est vrai. Pourtant, l'herbe n'est pas dure. Hein. Tu dois être trop musclé. Et voilà, tu vois. Il faut se masser un peu les fesses ou se faire masser. Encore deux, c'est mieux. On reste en haut. Petit mouvement, les deux pieds serrés. Je monte et je descends. C'est pas forcément des mouvements rapides. J'essaie de pas rouler en arrière. Et là, voilà, on est sur des petits mouvements où on sent que... Et j'espère, si vous concentrez sur la taille, vous sentez que ça vient de là. Voilà, la musique, elle vient de là, elle vient du blues. Et l'énergie vient de là, elle vient du centre du corps. Chacun son théorème. Encore trois. Très bien. Encore deux. Oui, hein. Encore une fois. Hein. Et vous reposez. Mais nous restons sur ce côté, car on n'a pas fini, Bernadette. J'en ai pas fini avec toi. Side passé. Ou vous posez la main là ou sur la hanche. Vous levez vos deux jambes au départ. Et side passé, c'est un peu danse classique. Vous allez glisser la jambe de dessus. Genou ouvert vers le ciel. Puis tendre, moi je suis pas très souple, mais tendre vers le ciel et redescendre en inspirant. Voilà. Là on est les petits rats de l'opéra, l'opéra de Saint-Jean. Ici, glissez, ouvrez votre hanche, tendez, gardez la hanche ouverte, c'est là la complication. Il y en a qui arrivent aussi à mettre le pied en dehors, c'est-à-dire le genou ouvert un peu comme si on voulait l'ouvrir vers l'arrière, la rotule. Mais c'est compliqué. Continuez ce side passé, Suzanne, je vous note. Ta main au cervical. Tu peux plier ton bras et poser ta teuté dessus. Il faut que tu sois en forme, Suzanne, en ce moment. Hein. Tu as du boulot à la maison. Encore trois. Ça va, Valérie, Suzanne? On l'a jamais fait, Suzanne. Mais il est nouveau. 2020. C'est l'édition 2020 du side passé. Gardez la jambe tendue vers le ciel. Hop. La jambe de dessus fait paratonnerre. Et là, on essaie de tenir. La jambe de dessous, plus elle est levée, plus c'est dur. Sophie, on a perdu Sophie, la petite Sophie est attendue à l'accueil. Encore trois, fais une pause. Encore deux, encore une, récupérez. J'avais prévu de vous faire un gainage, mais j'ai pitié. Donc on va changer de côté. C'était long là, les 3-4 exos d'affilée. J'avoue, j'aurais pas aimé être à votre place. Allez Coco, putain on va bronzer Coco. Hein. Ça c'est bon ça. Hein. On va être plus bronzé que Françou. Quoique. Première chose à faire, gainer. Trouver sa position bien sûr. Être sur une poutre imaginaire comme à Koh-Lanta, mais couché. La taille est fine. Et c'est parti. On monte la jambe de dessus. Puis l'autre, toujours en soufflant. Et on redescend les deux en inspirant. C'est en levant la jambe de dessous qu'il faut éviter l'envie d'avoir envie de tourner en arrière. Ou en avant. Bien la Suze, le coup du coussin, bien. Suze, elle a tout dans son sac, c'est Marie Poppy. Elle a la casquette, elle a le coussin, l'antimoustique, voilà. Elle a l'eau, le brumisateur. Et le gel. Ça fait le casse-croûte au cas où on est... Ça fait le casse-croûte. Le casse-croûte. On a dit apéro à midi. Apéro, voilà. Encore deux. Oh là là, ouais, mais il doit moisir. On reste en haut. Petit mouvement des jambes, les deux jambes hein, qui montent et qui descendent. Les deux jambes montent et descendent ensemble, together, les pieds se touchent. Ah, du boulot petit. Elle est petite, elle a mené tous les jours. Ça prendra le ramener. Très mignon. Mais il n'a pas le permis. Encore trois. Encore deux. Par rapport à moi, il est petit. Encore une. Petite pause. On récupère. Little recovery.
Restez sur ce côté, c'est l'heure du side passé. Vous me dites hein, si ça va pas. Hein. Une pointe ou une douleur vive dans le dos, c'est que c'est pas bon. Hein. C'est qu'il y a un souci. Jambe tendue et soulevée au départ si on peut. On fait glisser jambe de dessus en soufflant. On continue de souffler, on tend. Et on redescend, on inspire. Là, vraiment, si vous avez toute la grâce à mettre sur un exercice, c'est sur celui-là. Si vous n'avez pas de grâce, ça s'achète. Ça se loue. Déjà qu'on nous a pris l'ombre. Non, mais si on peut pas s'exprimer, on peut essayer. Oui, on peut. Du coup, il n'est pas compté, moi. Encore deux. Allez, Sophie. Allez, fais péter les converses à Sophie. Encore une. On n'était pas resté la jambe tendue au ciel là, paratonnerre, ça me parle. Hein ouais. Allez, on essaie de rester la jambe le plus tendue possible, le plus haut possible. Encore 4. Encore 3. Attention, t'as roulé en arrière, Nicole, attention. Encore 2. On a frôlé la correctionnelle. Encore une. C'est fini, on relâche. Et voilà. Ça, c'est fait. On pourra se mettre sur le dos, bien sûr. Détendez-vous un peu, hein, s'il faut vous mettre en boule ou. Voilà. Prendre rendez-vous chez le kiné, n'hésitez pas, hein. détendez-vous. Je le redis, mais vraiment, on n'est pas tous dans le même état, hein, sorti du confinement. Donc. Certains, c'est une reprise, d'autres ont continué, ça va. Donc, il faut vraiment le faire à votre niveau. Ferme pas les yeux, Suzelle, c'est dangereux. Oh, sérieux. Allez. On a les jambes en chaise renversée. On commence à connaître cette position, cuisse verticale, les pieds pas forcément très hauts. Le ventre est bien rentré, ça c'est obligatoire, on le sait, le périnée aussi. On peut lever la tête, mais on peut la garder au sol. 100, battement de bras, il est tout bête celui-là, mais il permet de reapprendre à respirer si on a du mal. Battement de bras, les bougent, mais le reste du corps ne bouge pas. L'idée de ce mouvement, c'est respirer par les côtes. Inspire, ouvre les côtes, souffle, reviens. Enfin, souffle, relâche. Inspire, ouvre les côtes, souffle, relâche. Allez, les filles. Encore deux. Encore une. Hop, bras le long du corps, on repose la tête et on roule. Le fameux roll-over où on a tendance des fois à refermer les épaules. Eh bien non, ouvrez vos épaules et roulez, décollez bassin en soufflant. Et reprenez le temps de redescendre en inspirant. Plus on prend le temps, plus on prend le temps, mieux c'est. Plus on se concentre sur serrer le ventre, mieux c'est. Encore 3. Tranquille. Encore 2. Encore 1. Et on essaie de rester en chaise, c'est-à-dire de reposer son bassin. Et de peut-être retrouver le petit creux en bas du dos, la coccinelle sous le bas du dos. Nous avons les mains à l'extérieur des genoux. Jambes pliées, c'est pas facile. Jambes tendues, c'est très dur. Eh bien, on va appuyer avec les mains. Appuyer vers l'intérieur. Les jambes, les genoux vont résister pour rester largeur de hanche. 20 secondes. 20 secondes de je pousse les mains, je résiste avec les jambes. Et on serre la taille. Et on a le nombril absorbé. Et on a le périnée qu'on ne sait même plus où il est tellement on l'a rentré. Encore 4. Ouais, Hélène. Encore 3. Poussez, poussez, madame. Encore 2. Encore 1. On peut reposer les pieds et faire le chou. Shoulder bridge. Voilà, un bon point. Tête posée. On enroule et on déroule colonne vertébrale. Sur le souffle, on monte. Sur l'inspire, on redescend. Tranquille et mille, on articule son dos. On veut de la mobilité. Il commence à être plus fort le soleil, ça y est là. Hein. 9h44, là on sait que ça y est, c'est l'heure fatiguée. Non, mais ça c'est pas un peu. Là, ma croix que tu fais. Encore deux. Et je vous laisse rester en haut. Gardez de la hauteur.
Gardez de l'arrondi au niveau du bas du dos. On va lever les bras vers le ciel. Ok, on va lever une jambe. Ouh là là, on rééquilibre. N'oubliez pas, triangle de sustentation, là, c'est compliqué. Et on tend la jambe au ciel. Le pied qui pointe. Le bassin haut. Et si vous êtes vraiment chaud, patate, vous décollez le talon d'appui. Vous poussez sur votre pointe de pied. Et là, on reste. Il faut bien ramener le pied pour ça. Ramenez bien le pied proche de vos fessiers. Et vous poussez avec pointe de pied dans le sol. Et vous poussez surtout la pointe de pied de la jambe de ciel. Vous la poussez très haut vers le ciel. Là, encore 4. Le bassin est très haut, mais toujours face au ciel. Là, encore 3. Attention, Sophie, c'est la jambe qui part à l'intérieur. La jambe levée. Attention. Encore une. On relâche. Et nous allons changer de côté. Allez, on finit les filles. Les gros efforts sont là. On relève le bassin. Dès qu'on peut, on lève les bras. Dès qu'on peut, on lève l'autre jambe. Oui, Françounette. Dès qu'on peut, on tend la jambe aérienne. Et on reste. On tient. On tient. Et si on peut, on décolle le talon. Poussez, 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 encore 3, encore 2, encore une. Et Zévini, vous pouvez relâcher. Super, super, super. Vous voulez le refaire? C'est bon, on peut relâcher Bernadette. Voilà, donc doucement, oh là 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 là. Les bras sur le côté, les jambes en l'air, on fait la vrille. On pose les jambes d'un côté et on reste avec nos deux épaules au sol. Voilà. Ah, il y a Emmanuel Macron qui regarde sur Facebook. Merde. Emmanuel Macron. Bonjour. Non, je rigole. Allez, on continue d'étirer, de se relâcher, de souffler, de respirer. Et éventuellement, on va changer de côté. En soufflant, revenez une jambe après l'autre. Il y a un théorème de la vrille, Sophie ? Un théorème de la vrille ou pas ? Non, de la torsion. Allez, je vous laisse revenir au centre. Et on va étirer nos fessiers extérieurs de cuisse. Mais justement, là où on est peut-être un peu raide, Cécile, cheville sur cuisse opposée, on vient attraper cuisse ou attraper tibia et ramener. Mais des fois, ça ne suffit pas, ça. Hein. Parce que des fois, les étirements ne vont pas là où des massages vont. Si c'est à l'enveloppe musculaire qui devient un peu tendue, ça peut être intéressant aussi de vous masser. Ou vous faire masser. Ok, vous pouvez relâcher, nous changeons de côté avec joie et parcimonie. Cheville sur cuisse, j'attrape et je ramène. Détends-toi les épaules, et Bernadette, pas de stress, il y a point S. Il y a Midas aussi, mais bon, et pas l'âme, Sophie. Aïe, 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 aïe. Et relâchez, vous vous détendez, s'il faut secouer les jambes ou autre, n'hésitez pas. Nous allons rouler sur le côté pour nous agenouiller. Et dans la position à genoux, on va refaire un petit coup de prière pour encore une bonne fois étirer le dos. Bien lâcher le bassin en arrière et laisser les mains avancer. Un, deux, trois,
Allez, ramenez les mains. On redresse et surtout on pousse en arrière pour mettre du poids sur les pieds. Et on va prendre le temps de dérouler dos du bas vers le haut. Mains sur les cuisses si on a mal au dos. Et on pourra se redresser tranquille. Et inspirer, lever. Prendre le temps de souffler. C'est-à-dire, tant qu'on souffle, les bras descendent. Encore trois fois. Allez, prenez bien le temps d'étirer. Allongez votre colonne et tout ce qui va avec. Prendre le temps de souffler, oxygéner vos poumons. Hein. Et la dernière fois, Françou. De 3 soleil. Merci les filles, c'était très bien. Il a fait super bon en plus, au top du top. Merci l'équipe qui est à la maison, peut-être sur son canapé. Je vous dis à bientôt. Fais des bisous, ils sont en train de déjeuner, la chance. On a faim, on n'en peut plus. Allez, bonne journée, à bientôt.